Bonsoir à tous. Ce soir, on va essayer cette chose qui s'appelle Zandora no Daiboken, la grande aventure de Sandra. Bon, je ne sais pas si on traduit comme ça, mais nous, on va le traduire comme ça. Le chara-design a l'air très sympa, hein. On dirait un petit peu les Wonder Boy, je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, c'est fait pour Namco, j'ai encore fait aucune recherche. On est en 92 sur Super Famicom, c'est parti. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais dès le menu, je trouve qu'on a affaire à une belle production. On voit déjà que c'est, on voit que c'est propre. Surtout, j'ai hâte de savoir ce que c'est comme, qu'est-ce que c'est comme jeu. On dirait le bonhomme du prêt de Cofidis. Ah oui, mais alors je m'attendais à tout sauf à ça. C'est un jeu de plateforme en fait. Donc, je peux me déplacer à gauche et à droite. Ouh, c'est beau. Je peux sauter. J'ai une fourche. Ok. Ça va être un jeu pour les enfants quand même. Hein. Ça a l'air très très simple. Je sais pas à quoi ça sert ça parce que on peut sauter normalement ou sauter en chargeant, mais ça saute pas plus haut. C'est bizarre. Je découvre qu'il y a plein de coups spéciaux. Il y a l'attaque de Chun-Li là. Ah voilà. C'est drôle parce que il y a plein de combinaisons de touches. Je sais pas trop ce qu'elles font toutes. On dirait le méchant dans La Vie, vous voyez là, ceux qui ressemblent à Sarkozy. Alors, stage 2, changement de musique, changement de décor. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau, j'imagine. C'est drôle, hein, le jeu fait plus penser à un jeu d'Atari ST ou d'Amiga que de Super Famicom. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec tous les scrolling. Il y a vraiment un côté mystérieux et un peu magique, je trouve. C'est assez étrange comme expérience. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est nul. En tout cas, j'ai envie de continuer, donc j'imagine que c'est bien. Assez déstabilisant comme. Je sais pas comment dire. Merde. On a envie de voir la suite et en même temps, on trouve ça un peu nul. Ok, la boule géante, on peut pas mourir. Ah si. Il faut juste plusieurs fois. Vous vous démerdez à la bonne franquette là. Ouh là là. La corde. L'animation est géniale. Sandora ka Yokokita Hisashiburi Jano. Il dit, ah Sandra, c'est toi, tu as bien fait de venir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, à fond. Blablabla. Il y a un kappa derrière. J'adore les kappas. Vous savez, c'est ce petit yokai, hein. Qui a une espèce de forme de tortue avec sur la tête un drôle de truc. Ça apparaît dans les marais, dans les mares, pardon, pas dans les marais. Oh là là, même musique. Bon. Bah clairement, hop, punaise. Wow. Oh, c'est de la plateforme au millimètre. Alors ça, les gars, ça c'est digne de. Je vous fais ça. Oh non, j'y ai cru, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis. Je suis un vrai héros. Ok. C'était pas une bonne idée ce solo. Eh bien, c'est sur ce générique
de fin complètement infâme, ce game over sans fin, que nous allons nous quitter sur les grandes aventures de Sandra. Un jeu mignon, bien réalisé, mais par contre, pour moi en tout cas, très vite ennuyant. Dans le sens où le challenge est tellement fort, c'était tellement du die and retry, même si le personnage a une palette de mouvements assez grande, la gameplay est vraiment mauvais, le level design est conçu pour être au millimètre, je ne suis pas client de ce genre de jeu. Donc du coup, il va rejoindre la pile du milieu. En fait, j'ai une pile à gauche qui est les jeux nuls, une pile du milieu qui est les jeux moyens auxquels peut-être je rejouerai un jour, et la pile de droite qui sont les jeux géniaux. Je ferai, je pense, chaque mois un post avec, avec l'état des piles. Ça vous donnerait une idée, peut-être, de ce qui est bien et pas bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, sayonara, à bientôt. Vous pouvez taper le password et vous aurez 20% sur Vinted.